The issue of the environment and the emergence of sustainable development go back several decades, with the Rio de Janeiro conference in 1992 marking the rise of the issue globally. Ports, aware of their responsibility, also have a role to play in the energy transition that is currently needed. Of course, the port has a big challenge for climate change in the sense that logistics and shipping is really emitting a lot of CO2. So port cities are really also responsible for the climate change, and they have to work hard for reduction of CO2 emissions. I think most ports initially, when they looked at operations, they especially cared about the air quality, because that is what affects, you know, people living near the port immediately. So sulfur and nitrogen and other emissions, fine dust and things like that. CO2 is another factor that nowadays has become so politically important as well, since we had the COP21 conference in Paris, where all the governments have signed up to reduce global emissions. Every industry needs to contribute, and that means also the maritime and logistics industry. What will happen this year in 2018 is quite important, is that the IMO, the International Maritime Organization in London, will set out a strategy for the reduction of greenhouse gases of shipping, to reduce the emissions of shipping CO2 with 50% compared to 2008 by 2050. On voit qu'en Europe, mais aussi dans le monde, que pour mettre en œuvre les accords de Paris, que c'est souvent les villes qui vont un peu en avant, qui sont les précurseurs un peu. On voit qu'il y a déjà beaucoup de grandes villes qui mettent, eux, des buts déjà d'être carbon free en 2030, en 2050. Plutôt que leur gouvernement national, par exemple, parfois. Et donc là, la relation ville-port est très importante. On voit que dans le passé, peut-être le port avait une réaction vis-à-vis de la ville, où on doit se défendre vis-à-vis de la ville quand on veut se développer, on doit voir que c'est accepté et tout ça. Alors que maintenant, le port peut faire des choses positives aussi pour la ville. Parce que aussi bien un port est très important dans l'approvisionnement de l'énergie classique, disons, mais elle jouera aussi, elle joue et jouera encore un rôle très important aussi dans l'approvisionnement des énergies renouvelables, dans tout ce qui va dans le sens de cette décarbonisation. Il y a tout un programme de qualité de l'air et nous travaillons en cualquier aspect que dentro del ámbito portuario, tanto en el ámbito de los contenedores como en el ámbito de los cruceros, como en cualquier actividad, de minimizar el impacto ambiental. El tema también de el gas natural licuado, LNG. It looks to be the future one. On se rend compte que dans le cadre de tout ce qui peut être mis en avant pour réduire les impacts et les nuisances qui peuvent être occasionnées par des stationnements de navires, qu'ils soient en territoire urbain ou même en territoire comme à Fos, et pour accompagner les nouvelles réglementations européennes qui vont sûrement évoluer dans les années à venir, les armateurs doivent mettre en place de nouvelles solutions en matière de propulsion. Une de ces nouvelles solutions technologiques en matière de propulsion de navires, c'est de remplacer la propulsion au fioul traditionnel, même s'il est à basse teneur en soufre, par une propulsion au gaz naturel liquéfié. Il y a des décisions qui viennent d'être prises par des armateurs internationaux, notamment sur la filière des navires de croisière, puisque MSC et Costa ont commandé auprès des chantiers navals de Saint-Nazaire en France de nouvelles unités qui seront propulsées au GNL. Et puis récemment, on a appris que le groupe CMA-CGM avait également passé commande auprès de chantiers chinois de navires porte-conteneurs qui seront eux aussi propulsés au GNL. C'est un passage progressif, mais sans un abandon des industries traditionnelles, d'un mode de schéma industriel vers un autre. Mais les nouvelles industries auront besoin des anciennes. Il y a une synergie qui s'opère entre celles-ci. We have the very big companies here, like Shell and ExxonMobil and things, and they have a lot of power and a lot of money, and they are big, so they can make changes. But I also think the innovations coming mostly from the smaller companies and the young people and the more creative people. So I think you need them both.
il y a plus d'initiatives locales. Et quand on voit effectivement la lourdeur sur certaines directives européennes, voire la lourdeur pour au niveau complètement international, créer un accord comme celui de Paris, il est bien évident que pour aller plus vite, l'initiative locale, qu'elle vienne des citoyens, qu'elle vienne des institutions politiques, qu'elle vienne du secteur économique ou du secteur portuaire, elle est très importante. Diciamo, per quanto riguarda la cosiddetta Smart City, Smart Port, siamo abbastanza avanti. Abbiamo efficientato tutti gli impianti di condizionamento e riscaldamento con grandissimi risultati in termini proprio di risparmi e di riduzione delle emissioni. Abbiamo trasformato a LED tutta l'illuminazione dell'area con risparmi fino al 67%. Abbiamo dal novembre 2015 un impianto fotovoltaico che produce il 6-7% del nostro fabbisogno, ancora poco, ma è un inizio. E poi siamo diventati un polo della mobilità elettrica cittadina con 5 stazioni di ricarica, di cui 2 fast, molto veloci. E poi stiamo cercando di far sì che tutti i soggetti che operano per servizio, quindi la sicurezza, le manutenzioni, viaggino nell'area con mezzi elettrici. In Marseille, Hugues Parron, director of the Euro-Méditerranée Urban Regeneration Project, talks about the port's role in supplying the city with renewable energy. Les deux expérimentations mondiales hein, qui consistent à utiliser, à aller pomper de l'eau dans le port pour l'utiliser comme source de chaleur ou de froid sur les centaines de milliers de mètres carrés que nous avons créés, c'est la thalassothermie, d'un côté Engie, de l'autre côté EDF, ont tous les deux installé des capacités de pompage qui fait que le port et nous sommes d'ores et déjà solidaires puisque c'est dans le port que commence l'activité et c'est pour alimenter les logements, les bureaux en froid et en chaud que nous nous servons de cette matière première qui est l'eau de mer et la chaleur de l'eau de mer, donc le froid de l'eau de mer. Dans la transition énergétique, il y a non seulement la capacité d'avoir de l'énergie moins chère, mieux maîtrisée, plus responsable, mais il y a aussi la capacité de maîtriser les aspects négatifs de l'énergie, c'est-à-dire les rejets, les effluents, les particules. Donc de ce côté-là, que ce soit le port ou les collectivités locales, il y a de gros efforts à faire parce que nous installons désormais des populations. L'écologie industrielle, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche à la fois théorique et pratique qui cherche à accompagner l'évolution du système économique industriel pour essayer de le rendre compatible avec l'environnement. Donc ça suppose par exemple qu'on essaye de minimiser les déchets, notamment en utilisant les déchets des uns comme une ressource pour d'autres par exemple, c'est ce qu'on appelle les symbioses industrielles, ou on va essayer de substituer aux traditionnels combustibles fossiles ce qu'on appelle des biocarburants ou des biocombustibles, mais qui eux-mêmes ont besoin d'être transportés généralement sur de grandes distances. Et là de nouveau, on voit que les ports sont en train de jouer un rôle majeur, crucial, dans les nouvelles voies de transport des carburants de demain qui sont en train petit à petit de remplacer les carburants fossiles. Alors, il y a encore l'avenir qui est en train de se préparer. On voit que, comme il y a un fort développement de l'énergie éolienne et que très souvent l'énergie éolienne consiste en des champs d'éoliennes en mer, eh bien les ports sont aussi en train de devenir des lieux où peuvent se construire, s'assembler. Et donc ça, c'est un rôle vraiment nouveau des ports qui est en train petit à petit aussi de monter en puissance. Et on peut voir encore plus loin. On voit qu'il y a des nouvelles filières qui potentiellement peuvent émerger. Et je pense notamment à tout ce qui est en train de se préparer autour de l'utilisation du CO2. Il y en a beaucoup, on continue d'en émettre beaucoup. De plus en plus, une des pistes envisagées consiste à capter le CO2 à la sortie des cimenteries, à la sortie des aciéries, typiquement de grandes installations industrielles qui très souvent sont proches d'installations portuaires, et que ce CO2, on peut ensuite le transformer en une substance à valeur ajoutée. Par exemple, on peut le transformer en gaz, en biogaz, si on veut bien, en gaz naturel. Et là aussi, typiquement, c'est le genre d'activité où on a des grands volumes et où les zones industrielles de type portuaire sont idéalement placées pour faire ce genre, pour jouer ce genre de rôle. We think that within 20 years the petrochemical industry is still here, but in a more cleaner environment. However, yeah, we take in account that one or two refineries will maybe break down sometime, and then we have huge land. In this case, I don't think we should use it for real intensive urban development, but we should consider the production of sustainable energy
solar energy takes a lot of space, wind energy as well. Maybe in a very far future we give back to some nature. Why not? The port took the nature, especially in this case in this delta. If the society needs more green areas around Rotterdam, can be a solution as well.